c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Dragon Ball Dokkan Battle. On va invoquer avec les tickets des 250 millions de téléchargements. Bon, j'en ai que 53. Bon, maintenant que je suis free to play sur Dokkan, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout, j'ai eu ma période d'inactivité, on va dire, sur le jeu l'année dernière pendant 3-4 mois. Donc c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de DS en moins qui ont été farmés et utilisés à ce moment-là. C'est un portail très intéressant pour mon compte parce qu'il y a énormément de personnages que je n'ai pas. Donc hop, je vais vous montrer, on va passer rapidement les persos, hein. Je vais pas tous vous les présenter, mais le Goku Ultra Instinct, je ne l'ai pas, le Gohan Puissance non plus, Gogeta, je l'ai déjà, mais bon, un doublon, ça fait plaisir, Omega Shenron, je l'ai déjà aussi, mais bon, doublon, ça fait plaisir aussi, le Broly SSJ3, je ne l'ai pas, Gotenks, je l'ai déjà, mais bon, doublon, je dis pas non, le Gogeta, je ne l'ai pas. Si, je l'ai, mais je crois que j'ai déjà un doublon dessus en plus. Je crois que j'ai déjà un doublon dessus. Je l'ai eu assez récemment tout de même, donc c'est pour ça que j'ai hésité. Le Janemba-Pui, je ne l'ai pas. Le Bou Intel, je ne l'ai pas. Le Super C17, je l'ai. Le Goku SSJ3 en, je ne l'ai pas. Le Couleur ici, je l'ai. Le Goku SSJ4, je l'ai avec un doublon. Le Vegeta SSJ4, je ne l'ai pas. Donc pourquoi pas, ça peut faire plaisir. Bon, après tout le reste c'est un petit peu moins important. Bon, Gatai par exemple je ne l'ai pas, le Cell Pui non plus, Trunks Ikari je l'ai, Vegeta Intel je l'ai, Vegeto End est-ce que je l'ai? Bonne question. Bonne question, le Vegeto End, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Enfin soit, bon soit, il y a à peu près tout qui m'intéresse parce que de toute manière j'ai aucun perso 100%. Donc bon, le top ça serait d'avoir vraiment des différents, histoire de pouvoir augmenter un petit peu la box, mais même des doublons, je dis pas non, tout simplement. Alors c'est les nouvelles animations, d'ailleurs on a Bou et Hercule, je crois que ça annonce du lourd quand les deux sont là, parce qu'on peut avoir que Bou tout seul, mais je crois que quand les deux sont là, ça annonce du lourd. Je sais pas s'il y a les LR d'ailleurs dans le portail. Bon ok, c'est J3, donc on a déjà un SSR, parce que du coup c'est pas des multi avec SSR garantie, si je me trompe pas. On démarre avec le petit Nappa Air, bon. Voilà quoi. Bon, Bujin, on s'en fout aussi. Le Yamcha Air, bon, à mon avis, ça va être qu'un seul César. Je crois que c'est 7 personnages. Hein. Du coup, Gohan. Ok, Beerus, SSR Tech, que j'avais déjà, mais bon, je prends. Kame Sennin, bon, ça c'est un petit peu moins intéressant. Donnez-moi au moins des trucs qui peuvent s'éveiller Dokkan au niveau des Serges. Parce que ce serait un petit peu intéressant, bon, même si la plupart maintenant je les ai tous speedy, ce que vous voulez, mais bon, ça peut être toujours intéressant. Bon, on va faire que des multi, puis on fera du coup. Mais vu que c'est 7, je sais pas si je vais arriver à un nombre pile. J'étais à combien moi quand j'ai démarré? J'étais à 50 et quelques, je sais plus 50 combien. Bon, il me restera peut-être des tickets qu'on fera en single à la fin. Ok, c'est J2 cette fois, bon, vu que c'est pas SSR garanti, ça fait un petit peu plus peur, on va dire, hein, les portails comme ça. Bon, après, c'est des portails où ils nous donnent tout, donc... ok, yes! Le Goku Ultra Instinct que j'avais pas, c'est parfait. Bon, va falloir le farm un petit peu, du coup, hein, farm sa spé. Mais bon, déjà, c'est pas mal. Bon, Beerus Tech ici, par contre, je m'en fous. Jaco, ok... et Bartha pour finir. What? Il s'est passé quoi? Ok, Buan. Buan qui pop. C'est la première fois que j'ai l'animation comme ça où ça change, où ça met un perso puis ça change juste à la fin. Ok, bah on a eu Buan. C'est pas mal ça. Bon, Buan, je l'avais déjà aussi. Je sais plus si. Je crois que j'avais déjà un doublon dessus. Donc, bon, l'air de rien, ça fera un deuxième doublon. Et le jeu qui a eu un petit souci. Je sais pas, il y a eu un petit freeze. Bon, c'est pas très très grave. Allez, on est parti, on enchaîne. Parce que bon, les animations maintenant, je trouve ça cool qu'il y ait des nouvelles animations. Il était temps qu'il y ait en soi des nouvelles animations. Mais je trouve que c'est un petit peu lent. Et quand t'enchaînes comme ça les invocations, bon, ici on n'aura rien du coup. Ouais, la multi full SR. Je trouve que c'est un petit peu lent par moment. Mais bon. Allez, on est parti. Bah, décidément, le jeu a un petit peu du mal. Il y a peut-être beaucoup de gens sur les serveurs. Ok, Piccolo, Yamcha. Bon, je crois que ça veut pas dire grand-chose quand il y a peu de monde comme ça.
Mis à part quand c'est le Bou et Hercule du coup. Bon, en parlant d'ailleurs de Satan, enfin de Monsieur Satan, il est là. Krilin, ok. Bon, les Shenron comme ça, on s'en fout. Chaozu, on s'en fout. Shishi aussi. Ouais, je l'avais déjà malheureusement. Ah, le petit Otepo. Bon, surtout que des doublons sur les Otzaru comme ça, c'est pas super intéressant. Et puis bon, franchement, entre nous, qui joue les Otzaru? Je pense que très très peu de monde. Hein. Tiens, Goten et Trunks. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Ça aurait été stylé, genre ils prennent la place de Goku, boum, ils fusionnent, ils prennent la place de Goku. Bon, ok, SSJ3, donc SSR garantie. Ok, Pan, on va espérer quelque chose qu'on n'avait pas forcément, tout simplement. Kiwi. Bon, le Chaozu R du coup. Ok, le Raditz. Et Vegeta SSJ4 qui tombe, nickel, je l'avais pas non plus. Bon, ça remplit un petit peu la box hein, quand même, toute cette histoire. Bon, ok, après le Bardock Super Saiyan. Bon, c'est pas mal parce qu'en vrai, ça drop pas dégueu, hein. Ça drop pas dégueu, l'air de rien. Et puis surtout, c'est vraiment un portail pour moi qui est super intéressant vu que, comme je vous ai dit, bah, vous avez vu, il manque blindé, blindé de perso. Parce que j'ai passé certains portails vu que je jouais plus. Puis quand je suis revenu, bon, bah, la chance n'était pas forcément là tout le temps. Donc un petit peu compliqué. Mais du coup, ça fait plaisir là d'avoir des petits trucs comme ça. Ok, bon, Freezer n'a pas, très bien. C'est qui ça? Oh! Black Goku. Bon, je l'avais déjà du coup, mais ça fait un doublon. Parfait. Videl. Silipa. Et Pan, évidemment. Un Pan qui était déjà là dans. Ah, bah, il y en avait encore un derrière. Bon, c'est le Bou maléfique. Pan qui est dans le dernier portail à tickets. Bah, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir eu en je ne sais combien d'exemplaires. Moi, elle tombait tout le temps aussi. À chaque fois que je faisais mes invocations, ça tombait. Donc, bon. Allez, SSJ3 s'il te plaît. Ok, non, pas de SSJ3 malheureusement. Et puis, je trouve ça cool qu'on ait une multi-asset parce que t'as le truc de revoir si t'as un SSJ3, que t'as un SSR et tout le bordel. Parce que vu que les autres multi maintenant c'est SSR garanti, bah, je trouve ça un petit peu moins impressionnant quoi. Ok, bon, Vegeta Super Saiyan. Le Goku Genkidama à une main, mais bon. Je l'avais déjà, bon, ça fait un doublon dessus, on va dire. Freezer, par contre, comme ça, il m'intéresse parce que je crois que j'ai les SP 7 ou 9, je sais plus. Donc, ma foi, pourquoi pas. Ok, Bojack. Bon, ouais, Pan, elle est toujours là. Hein. Je pense qu'elle. Elle. À mon avis, c'est pas en garantie dans ce portail. Bon, du coup, plus que les singles. Bon, on a déjà eu un petit peu. On a eu des bonnes invocations, donc même si j'ai que des SR ou R maintenant, bah. C'est pas très très grave, on va dire. Bon, d'ailleurs, là, ça part un petit peu mal. Mis à part si y a un bye bye, les gars. Je sais pas ce qui. S'il y a une façon de voir si un bye bye, les gars, est là ou pas quand il se transforme pas, ou si c'est toujours aléatoire. Peut-être avec les persos qui viennent avec, il y a plus de chances dans certains cas, je sais pas. Ok, 3 persos avec Goku, bon c'est pas si mal que ça. Ouais, Super Saiyan 1 par contre. Donc bon, c'est pas fou, ok, Monsieur Satan, cool. Vas-y, Hercule, continue de venir. Bon, on a déjà ce qui nous intéressait en soi. Ah, on a Bou tout seul, tiens, cette fois. Enfin, Bou avec Chaozu, mais du coup, Bou est pas accompagné de. Hercule. Ok, SSJ2. Bon, peut-être un SSR là? Ok, non. C'est le petit Frost. Et du coup, la dernière single. Et si on finit sur un petit SSR là, ça ferait plaisir. Un petit. Je sais pas, peu importe. Oh non, Bou qui allait tout seul. Bon, on est, ça veut rien dire de fou.
Et effectivement, voilà, si ça c'est pas une bonne façon de terminer nos invocations, le Great Saiyaman hein, qui nous fait une petite pause troll. Bon, bah écoutez, franchement, alors hop, liste de persos, du coup on va faire ça, on va faire par date, on va mettre bon que les SR du coup, tac. Bah franchement, c'est pas si mal, hein, parce qu'on en a eu 7 quand même sur 53 tickets, un truc comme ça. Donc en soi, c'est grave, grave bien. On est au-dessus des 10%, on va dire. Donc c'est cool, c'est cool, c'est nickel. C'est ce qu'on voulait de toute manière. On a eu des choses qu'on n'avait pas. Vegeta SJ4. Le Goku Ultra Instinct en priorité, bon après les autres j'ai déjà mais ça fait des doublons donc ça reste sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'était le cas. Moi je vous dis à très très bientôt, ciao, bye bye.